Bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Je vous bienvenue sur la page pour là qui c'est Life is Good. Et là, nous disons Life is Good, tout le monde qui s'allie déjà. C'est la vie en image, la vie en beauté. C'est toujours un plaisir, toujours un peu quel content pour l'entrer la kawa sur la vidéo pour nous partager, analyse, partager un peu. Belle pronostic sur Life is Good. Et nous avons une série là, nous avons suivi et qui c'est tableau, ok, nous avons partagé un peu le tableau pendant la semaine jusqu'à vendredi. Nous gain et première ligue là nous gain partager nous partager tableau ligue 1 et je disais me partager tableau Portugal là me partager sur Twitter ou quand toujours monter sur Twitter kounya OK checker PGTBN pour abonnement avec page Twitter et puis ou a jeune tableau sur Twitter OK et je disais nous venir ensemble avec série A nous va faire une belle vidéo un peu belle stratégie comme toujours. Avant de rentrer dans les détails, on salue toute famille, tout le monde qui est toujours ensemble avec nous. Et monde ça fait partie des VIP Life is Good là, on carré comme ça. On fait ça bien rapide pour nous rentrer dans les détails. La commence ensemble avec Lens lui, c'est premier commentaire que nous te recevoir hier, n'a salué Lens lui et dis nous Lens lui qui beau suivre nous, OK, la qui zone qui j'en ça. OK, n'a salué Grégory Pierre, n'a salué Laos Dodo, n'a salué David Mitchell, n'a salué Babi Poula, Romain Peterson, Gino Cristalin, Dance Perle Michel, n'a salué Lovenson Lubin, n'a salué Evan Saint-Jean, n'a salué Steve Chéric, toujours ensemble avec nous, n'a salué Augustin, et n'a salué Lille Fed, n'a salué Supreme Stangoff, Tragédie Lumière Haïti, toujours ensemble avec nous, n'a salué Wilgens, n'a salué Livens Joseph, Bel Papi, n'a salué. Gen moun ki ba renom pou yo, et ça fait une basse à lieu, n'a salué Bejout Merville. N'a salué Tanis et Widley, n'a salué Divenson, n'a salué Geraldo Jacques, Biquet Dialapod, n'a salué Robinson Zamino, n'a salué Tato 509, Yuri Jean-Pierre, n'a salué Antino Romeus, n'a salué Rolf Deramo, n'a salué Hakim Negokai, n'a salué James, Carl Bien-Aimé, n'a salué Saint-Cyr et Niki, n'a salué Donaldson, Succès, n'a salué Gladzimiro Melus. N'a salué Dino Seyan pour citer ça seulement. C'est mon ça qui t'a quitté. Commentaire, pas hésiter à quitter un commentaire positif pour nous. Et puis, n'a voué salutation à vous-même. Là, et prochaine vidéo, n'a plagué des messieurs. Bon, je voulais pour tableau. Liga, m'a passé la pied. Et n'a commencé ensemble avec tableau. Nous avons Inter et Empoli. Son très bel match qui est lui-même lié. Inter qui est en première position. 76 points. Inter va gagner aller pour le point série A. Ok. Et nous avons Milan. Nous avons Milan qui pressure Inter. Ok. Milan ensemble avec 62 points et Inter qui balken 14 points OK DK Empoli ensemble avec 25 points Empoli va le chercher et pourquoi pas une victoire à l'extérieur OK pour prendre confiance mais bien que bon bail cap facile lié parce que en 17e position n'importe faut pas on tomber en bas OK so là on regarde pour nous comment qui j'ai match était fini dernier match Inter était joué avec Napoli la Cali il était fait 1-1 était toujours bien passé à domicile son seul match que lui-même il fait face à Napoli après ça nous gagne Empoli lui-même Empoli il fait ses défaites il red OK Empoli fait ses défaites les son match bien vigui point de pronostic victoire Inter ou bien 1.5 et analyse ça on dit gagner Empoli perd 1-0 et toi dernier match Empoli perd 1-0 sur là. Bon, c'est Empoli qui a marqué dans le match. Empoli qui a marqué, mais après victoire Inter. On a commencé avec Inter, victoire Inter. Commencé avec victoire Inter. On fait tableau bien rapide. On fait ça. Oh, on va ouvrir là. Ok. Et on commence à victoire Inter. Même bien vu pour 1.5 dans Inter à tout. Ok, victoire Inter. Quelques arrangements tout petit qui capent quelques secondes. Ok, victoire Inter. Victoire Inter. Après ça, il y a Lecce Roma. Roma égale Roma, mettez.
Je vais mettre deux chances pour moi. Et voilà, je vais regarder ça déjà. Ok. Et après ça, il y a Victoire Boloy face à l'Enita. Ça me dégage des matchs déjà. Après ça, il y a 1,5 dans Fiorentina à Milan. Je vais regarder le match déjà. Je vais tourner après ça pour nous faire analyser ensemble. Mais je vais tout faire ces arrangements. Ok. 1,5 dans Milan. Lazio. L'équipe qui a encaissé ce goal, je vais prendre un goal Juventus face à Lazio. Je vais prendre un goal Juventus face à Lazio. Ok, qui ça encore? Ok, on monte sur face quoi? On va montrer nos raisons pour faire Roma. Roma, c'est 4 victoires avec un match nul. Je vais des pronostics dans Roma. Je vais frapper Lecce avec 13 points. Je vais frapper double chance Roma ou bien goal Roma. Ok, si je vais prendre double chance Roma, je vais mélanger avec 4,5 goals. On va mettre moins 4,5. Ok, mais goal Roma et 5 derniers matchs, moi toujours marqué à l'extérieur, toujours Québec, goal Roma. Après ça, je Juventus. Juventus, pas tellement bien joué dans le moment, non? Parce que dans 5 derniers matchs, Juventus, on sait le victoire fait, mais face à Lazio, goal Juventus. En troisième position, Lazio avec 43 points, Lazio a encaissé 6 goals Lired, Zoukou Lazio a encaissé 6 goals Lired, goal Juventus a joué son bel et analysé. Lazio à domicile, Lazio à domicile, ben moins 1, 2, 3, 4, 5, 5 matchs encaissés. Dernier match joué avec Juventus. Juventus est battu 3-1. Ok, débat Juventus D1. Juventus toujours marqué face à Lazio. Je prends un goal Juventus. Après ça, il y a Boloy, Salernita. Ça, c'est une belle victoire pour Boloy. Boloy en 4e position avec 54 points. Salernita est en dernière position. Il y a dernière position avec 14 points, ça l'a pas encore levé. Je pense que Boloy a profité pour, avec 3 points. Ça sont cadeau lié. 3 points, ça sont cadeau lié pour Boloy. Et toute équipe qui a joué à Salernita, commencez la Monza. Commencez la Monza, arrivant à l'Enet, je pense que c'est cadeau la pied. Ok? Et je pense que ça sont cadeau lié pour Ouma. Et pour Boloy, il a profité avec 3 points. Et ça fait une victoire pour Boloy. Après ça, nous avons Milan-Fiorentina, dernier match Milan joué. Milan fait. Milan bat 3-1. Milan bat Lazio 3-1. Dernier match Milan joué à l'extérieur. On s'en dit, tout match ça, Milan marqué à l'extérieur là. Tout match Milan joué, Milan marqué à l'extérieur. Ok? Et puis, et Fiorentina lui-même, dernier match joué, la Kali il fait 2-2. Avec Roma. Avec Zigue confiance. C'est ce qu'on s'en dit. Majorité match. Fiorentina a joué, il a marqué la Cali, c'est le deux matchs. Il a perdu 1-0 face à Juventus. Il a perdu 1-0 face à Inter. Quand Juventus Inter, il a deux équipes. Il a eu un Poli qui a battu 3-0 et 2-0. Ça, c'est depuis 2023. C'est comme Zamzo. Mais depuis l'entrée 2024, à l'AS, l'Inter a battu 1-0. Après, il a toujours marqué la Cali. Il a eu son match au cas où j'ai des équipes là-dedans. Mais il a eu son petit safe de 1,5 dans le match. Après ça, nous avons qui match encore? Ok, ça, il m'a dit que météo, qu'on a là, on fait suivi. Nous avons Sassuolo, Udinese. Et Udinese, Sassuolo, sont très bel match qui est lui-même lié. Sassuolo avec 23 points, Udinese avec 27 points. C'est un très bel match. Dernier match, je vais finir 2-2. Avec 10 points, qu'on y a 6 goals, les abjoints ensemble. Zoro Wanzamzo. Udinese fait 3 matchs là, Kaili. Et 12 ans, regarde qui j'en. Qu'est-ce qui boit 12 ans, sorti là, hein? Ça y est, ça solo. Get! Udinese c'est tellement fait match nul, monsieur. Get! Ma vie prend 12 mais tellement gain vieux résultat là men. Bon, après 3 matchs ça là en à 0, on regarde moi la Kylie. La Kylie, 1,5 passe la Kylie en peu loin. L'équipe ça même Alexis elle tellement fait match nul. 4 matchs nul. Hein?
m'a pris 1.5. J'ai envie de voir pour moi 3.5 là-dedans, mais je ne vais pas le faire. Je prends 5, je ne sais pas solo. Je me dis ça, soit je tableau, je mets vite, je me dis difficile, je me dis que je vais faire 26 points, 26 points. Kagilari. On m'a pas un gol Kagilari, mon cher. Gol Kagilari ou bien double chance Kagilari. Et là, on est 2 victoires à l'extérieur. 2 victoires, ça va rien à 0. C'est comme un Zamzo. Il dit bon équipe qui bon dit tout, non. Double chance Kagilari ou bien gol Kagilari. Et de ça, là, il dit ça. Double chance Kagilari ou bien gol Kagilari. Je double chance Kagilari. XE. Torino Monza. Quatre Monza, 4 men. 5 derniers matchs, 4 victoires et 4 victoires avec une défaite. 4. Dernier match Monza, Monza bat 3-2. Il bat Genoa 3-2. Après ça, il bat Kagilari en 0 la Kaili. Torino lui même dernier match lui la Kaili. Il fait 0-0. Torino sont une équipe qui est difficile pour battre la Kaili. Et 2 défaites seulement. Il dit pour match qui facile pour Monza non. Ma première soirée pour 5 dans match. Mon soir pour 5. Ah oui, ça nous gagne Genoa. Genoa Frosinone. Frosinone a un sauce lié. Frosinone a un match qui est si gros lui. Frosinone. Frosinone à l'extérieur. Frosinone beaucoup j'aime font victoire à l'extérieur. Il fait 3 matchs nuls. So Zamzo. Monza lui même, Monza fait un pile match nul. Monza perd 3 matchs à Cali. M'a profité à 2 chances Monza. Et Genoa, excusez-moi. Deux chances Genoa. Ne qu'elle n'a pas goal Genoa, mais Genoa va gagner niveau vraiment da. Ok, deux chances Genoa. Tu fiches la bien belle jusqu'à présent. Dernier match nous est Napoli. Napoli, premier idée de Napoli et deux chances Napoli. Raison en lycée. Raison. Et Atalanta n'a pas repris Atalanta à un moment, man. Napoli est des défaites, il fait la Kaili. Tu comprends ça, Mzo? Gol Napoli va gagner sous l'imba, mais l'idée de Gol Napoli, mais Atalanta est 2 victoires à l'extérieur. Tu comprends ça, Mzo? À un match, on a pris 1.5 ou bien 2 chances Napoli. Et dès que tu analyses ça, on a frappé. Tu comprends? 1.5 ou bien 2 chances Napoli. Atalanta, dernier match, joue à l'extérieur, elle fait DD. Elle a fait des dés à moi. Il était fondé, il a perdu des 1. Napoli lui-même, dernier match, il joue. Il fait 1 à 1. La Kaili, il fait 1 à 1 toujours. Napoli, quand il gole, il tourne, il dit, nous, ça, non. Bon, 1.5 n'a pas passé. 1.5 n'a pas passé. Moi, c'est 3.5 n'a pas passé. Bon, je prends 1.5. Match Mouti, j'en perds. C'est Sassuolo. Sassuolo, Udinezea. Je suis un petit solide. Je suis à 1.5. Là, je vais prendre une double chance sur l'équipe. Je vais faire un petit garder toujours pour me finir le tableau. Je vais regarder moi qui ça. Oui, tableau a dit. Dans 9 derniers matchs, Udinese a joué. Moins 2.5 passé. 7 fois sur 9. Pendant ce temps, 5 derniers matchs, Udinese a joué. Il prend un goal. Il prend un goal. En premier et 4 fois sur 5. Et hey, équipe là va contre battre Udinese facile non mais ça solo va contre battre Udinese facile non. OK. C'est marqué bien 1.5 là. Bon, moi j'ai une théorie pas mal là. Premier match qui finit avec moins 1.5 face Monza ça solo te joué. Après ça, 1, 2, 3, 4, 5, 5 matchs, tu as gagné 1.5. Après ça, tu n'as pas gagné 1.5 face à Solo, tu as battu à 0. 1, 2, 3, 3 matchs, tu as gagné 1.5. Bon, moi, je n'ai pas gagné 1.5. Bon, on quitte.
un point sec. Mais il m'a dit qu'il m'a un pipé un tableau à Rwanda Mzou. Et si vous même qui sont à prendre dans sa scolo, ça fait que je ne vais pas prendre de chance. Parce que tous les deux équipes ont le même niveau et puis vous avez fait trop de matchs dans Rwanda Mzou. Je ne vais pas me faire comme ça. Mais nous, si vous avez un évité, c'est le Mouti Jean-Pé, avoir un tableau à soi, mais nous avons un tableau à très soi. Red, nous avons 1.5 dans Napoli, 2 chances de Genoa, nous avons moins 3.5 dans Torino Monza, nous avons Gol Juventus, 1.5 dans Milan Fiorentina, nous avons Victor Boloy, 2 chances de Cagliari, 1.5 dans Sassuolo Udinese. Et goal Roma et puis victoire Inter. OK, so sous t'as choisi trois matchs dans tableau qui trois matchs tu tapier. OK, pas oublier vendredi nous avons rendez-vous dans chaque tableau de partager, on choisit deux matchs ou bien trois matchs et vous quitter dans commentaire dit mais match tu as choisi mais match tu as choisi là vraiment important. OK, dit tout le monde net les n'a monté dans commentaire nous supposé venir avec trois matchs dans chaque tableau de partager, trois matchs ou bien deux matchs tout. OK, qui ou bien en faveur ou qu'on choisit dans chaque tableau. OK, si tu as un favori dans tableau ça, qui des matchs tu as kembe ou bien qui trois matchs tu as kembe, dis-nous dans commentaire et partagez des ensemble avec nous. OK, rendez-vous les moi si bon Dieu veut, mais passer demain me cavina Liga. Je dis qui joue. Demain jeudi. Oh, demain me cavina tout vina Bundesliga. Demain me cavina des tableaux. OK, à la prochaine. Life is good, la vie.